Et oui, vous avez bien lu, j'ai été banni. Triste. À cause de ma vidéo sur Yumi, où bah, je jouais pas vraiment. Je crois que j'ai lancé une dizaine de sorts de toute la partie. Et je me suis fait bannir quelques jours après. Ça a mis du temps, donc peut-être qu'ils ont vu ma vidéo. En soi, c'est normal, hein, je suis pas là pour me plaindre. Je suis juste étonné que, juste en une dième, on se fasse bannir. Mais 14 jours, hein, je vous rassure. J'espère que je l'ai mis dans le titre, sinon c'est putaclic. Pas cool, Lunes. Heureusement, j'ai ce second compte. Mais en vrai, je me suis dit... Parce qu'il y a des gens qui m'ont défendu, et je me disais... Oh bon. Je me disais, quand vous avez un troll, genre un mec qui troll vraiment, quoi, pas juste un mec qui perd sa lane beaucoup, on se dit tous, putain, j'aimerais qu'il soit banni. On se dit pas, bon, si c'est la première fois, ça va. Dans ce sens-là, eh ben, au moins ça fonctionne, quoi. Au moins, les reports servent à quelque chose. J'en suis la preuve vivante. Mais j'étais obligé pour cette vidéo, en fait. J'aurais pu le faire en partie perso, mais... C'est pas drôle, quoi. C'est pas drôle si mes alliés rachent pas, en fait. Ça fait partie du jeu de se faire report. C'est ça, la série. La série de LoL, c'est pas assez dur. Il faut perdre. Et il faut que les alliés rachent. C'est comme ça. Hé hey. Tu vas voir ta gueule, toi. Plus 12. Imagine que tu perds en early contre Nasus. Eh bah, du coup, pendant quelques temps, pendant 14 jours, vous aurez des gameplays de merde sur des mauvais champions. Ou des bons, parfois, comme Nasus. Mais avec des buts bizarres. Je n'ai pas le droit de trop tryhard sur ce compte. Il est en gold. Oh, je l'ai tué. Joli. Je pensais pas que ça serait worse. Regardez, je fais du vol de vie. Une toux abatteur. Ah oui, c'est possible qu'il y ait aussi des gameplays passés sur mon autre compte. Donc soyez pas étonnés. Vous dites pas... t'as été débanni plus tôt, machin. Je vais même pas faire une requête au support, en vrai, j'ai la flemme. Parce que je pense que je suis dans le tort. Je pense qu'on est tous d'accord, voilà. Merci de me défendre, mais... En plus, à la base, je voulais le faire sur ce compte. Le LoL, c'est pas assez dur où je joue Yumi, sauf que j'avais pas Yumi sur ce compte. Je dis, c'est bon, je vais pas payer Yumi pour ça. Pff, il est sérieux? C'est quoi cet électrocute de merde, hein? Vas-y, reviens. Oh, nice. Il me permet de garder mon conquérant. J'ai le propre conquérant qui reste. Encore. Faites bien attention à ça quand on joue contre un perso conquérant, parce qu'on a tendance à l'oublier. Attendez bien qu'il ait perdu ses stacks conquérants pour revenir sur lui. C'est qui? C'est Kayn Jungle. Il est niveau 4. Kayn, t'es un enfant, non? De toute façon, tu viens, je te tue. C'est aussi simple que ça. Après, si Kayn retrouve son Ignite, ce qui devrait dans pas longtemps, je pense, ce sera un peu plus ennuyeux. J'ai combien de vol de vie? 30% de vol de vie, quand même. On est sur quelque chose de pas mal, je trouve. Ah! Ah, par contre, j'ai plus de mana. Non. C'est Pyke? Ah, il joue Pyke mid. Bah, merci d'être venu. Du coup, pour ce qui est des skins et tout ça sur mon compte, et le programme Partenaire League, je sais pas comment ça se passe. Mais en vrai, je m'en fiche un peu. Par exemple, de pas avoir le skin de fin de saison, je m'en fiche un peu. Je cherche plus à avoir tous les skins. J'ai eu une fois tous les skins, ensuite j'ai arrêté de tous les acheter. Allez, tout est sort et un électrocute pour ça. Et hop, je régène tout d'un coup. Là, tout ce que je régène en une auto. Pouf. Allez, une petite tour. Oh merde. Allez-y, revenez à la charge. Je vais TP. Tout compte fait. Du coup, ces comptes, il est en UNE si vous n'avez pas suivi. Je pense que c'est important de le répéter. Qui est un serveur très très bon, faut pas croire. Je pense qu'ils sont mille fois meilleurs que les N. Ah merde, oh t'es chiant toi. Ça marche mieux avec des tabis et du mana. Oh, ulti. Non, bah non. Vas-y, vole-le, je t'en prie. Enculé. Non, j'ai plus de mana, je me barre. Non, vas-y, amuse-toi surtout. Surtout amuse-toi. Tout compte fait, j'avais pas grand chose à acheter. J'espère qu'il meurt.
Trop méchant. Trop méchant. J'espère qu'il meurt quand même. Oula, Yasuo. Non, Yasuo grid un peu. Je l'embête, je suis méchant. Oh, putain, il est pas mort. En faire plus, ça serait du grid. Et je serais mort. Mais je suis déjà bien content de ce que ça a donné. Parce que je pensais pas tuer Kaina là-bas. 324 à 15 minutes, ça passe. Je suis jamais satisfait de mon farm avec Nasus. De mon nombre de stacks. Je peux pas trop faire le malin, là, je manque un peu de mana si je veux pouvoir 2v1. 1v1 ça irait, mais... Soif de sang. Ça va combo avec le bouclier de la surcharge. Et en plus, personne ne fait jamais soif de sang. Personne ne fait soif de sang. C'est tellement en dessous de la danse de la mort, en fait. Faudrait le buff, ce truc. Tu rajoutes 10 d'AD, et puis ça y est, ce sera joué, je pense. Ce sera repris par les Draven. Ah bon. Ah, les enculés. Je suis pris tellement de coups de tour. Peut-être qu'avec un Q-spell, ça ira mieux. 247. Il faut que je laisse mes alliés perdre un peu, j'ai pas envie que ce soit trop court. Une game courte de Nasus, c'est pas drôle. Genre typiquement, si je finis la game sans avoir ma soif de sang, bah j'aurai le seum. Alors je vais... Ouais, faut que je laisse un peu les ennemis gagner. C'est dur parce que tout le monde dans mon équipe est trop fort. Sans que je meure. Finalement, si je meurs, je peux les faire comeback. Ça va peut-être se produire, hein. Non! Ils sont tous 50 000 de mobilité. Je ne suis que Nasus. Dommage pour eux, ils sont un peu cons. Ah, c'est bon, ils ont eu interruption de Shaco. Lux aussi! Ok, cool. La partie va pouvoir commencer alors. Non, mais ça fait rager quand même. Qu'ils s'en sortent tous comme ça. C'est tellement ridicule. Son électrocute. Zéro dégâts. En même temps, il est full tank. Alors, voyons le shield que ça me file. Oh, waouh. Rien qu'avec ça, je suis tank. Pourquoi il est ulti direct? Eh! À toi. Eh! À toi. Eh. Ah, c'est déjà plus amusant comme ça. Merci. Merci. Si vous ragez, c'est encore mieux pour moi. Allez, c'est parti pour se faire ban un deuxième compte. Non, mais là, je suis juste méchant. Je fais rien d'illégal. Oh. Aïe, 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 aïe. Ouh, 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 ouh. Oh, bah oui. Attendez, c'est débile. C'est nul, mais c'est en même temps tellement marrant. Vous savez, si on tente jamais rien, on trouve jamais rien d'OP. C'est vraiment une merde, ce Pyke. Merde, ils vont tous crever, là. Oh. Injouable. Et bah, je voulais qu'ils soient forts, ils sont forts maintenant. Qu'est-ce que j'y gagne? Tous mes alliés étaient forts, et maintenant, ils sont tous nuls. Ça aussi, c'est curieux. Ils ont de l'anti-heal. Mais ils pensent à l'anti-heal, mais c'est incroyable. Ce serveur est tellement supérieur à tous les autres. Vous vous rendez pas compte du nombre de parties que j'ai perdu parce que mes alliés voulaient pas faire de l'anti-heal. Alors que là, y'a qui heal à part moi? Bah voilà. Il a de l'anti-heal juste pour moi. En Europe de l'Ouest, jamais. Jamais. Même en... Moi, je suis en diamant, hein, en Europe de l'Ouest. Ici, je suis bronze. Non, je suis gold, pardon. Les gens, ils pensent. Dommage qu'il y ait pas un autre tank, en fait, dans l'équipe. Ça m'enlèverait beaucoup de responsabilités et je pourrais commencer à être DPS. Un ignite. C'était marrant la shooting. Ça a duré quelques temps mais...
Interruption ? Je plaisante. Vous plaisantez ? Hop, la petite auto qui rend 600. Oh, c'est trop bien. Le Q-Spell rend 600, les autos rendent 130. Non, vous allez trop loin. Là. Vous êtes en train de très sérieusement déconner. Oh non, on a encore un Ignite. J'ai tellement l'impression que c'est son build juste pour me faire chier. D'un côté, on est fou là. Ouais, peut-être que s'ils étaient moins débiles. Useless team. Parfait. Ils s'insultent entre eux alors qu'ils sont tous nuls. Ça, c'est sur tous les serveurs, bien sûr. Bon, j'aurais pu la gagner en jouant. En jouant, tout simplement. En faisant un build qui est pas troll. On va quand même taper des gars. Hein.